Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Project Zomboid. Donc, content de vous retrouver pour la suite de nos aventures. Donc, dans le dernier épisode, on avait perdu notre casque, on avait une petite blessure à la jambe. On va regarder. Nous sommes. Oula, infecté. Oh! Oh oh oh, j'espère pas. Ouais, Sam va commencer à s'inquiéter un petit peu. La couleur de la plaie n'est pas très réjouissante. Quoi qu'il en soit, on a fini de visiter ce bâtiment-là. On va s'attaquer à celui-ci. Ensuite, ouais, donc récupérer le casque. Et puis, hop, je pense que ça sera déjà pas mal. Allez, je vais pas attendre plus longtemps. Et puis, je vais me mettre tout de suite à l'œuvre. Allez, c'est parti. Allez, Sam. Donc là, t'as une petite faim, on va peut-être manger quelque chose. Peut-être pas trop parce que tu manges beaucoup, je trouve. Qu'est-ce que tu aimes dans le congélateur? On met les glaces au pire. Allez, ça ira bien. Ouais, un petit peu inquiétant cette blessure. Bon, on croise les doigts. Voilà, j'avais laissé la porte ouverte ici. Peut-être pas ce qu'il y a de plus judicieux. Ah, et puis ça, c'est parfait. Un zombie étrange. Ok. Un petit bug, je pense, venant d'un mode. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Un sportif, apparemment. Ouais. On regarde derrière toi. Ici, non, c'est bon. Alors, les murs sont ici aussi traversables. Et il y a toujours ce problème de poids. Il est à 12,52. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Ah, on a un baseballeur ou un footballeur. Non, plutôt un footballeur américain. Oh bah il est pas lui mais l'autre il est bien équipé. Allez copine. Ouais. C'est bien. Dépêche-toi. Tu le lâches pas celui-là. Pas de pilule. Ah. Oh, 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 là aussi ça n'a pas été très délicieux. Ah. Un double star. C'est mieux. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah, une mère Noël. Alors. Je
Son costume. Ah oui. Ok. Allez. Ah, peut-être que si je retirais ça, ça serait peut-être pas plus mal. Ok, ah, on a un là-bas, ça y est, il nous a repéré. Allez, je vais prendre sa radio, juste pour le style. Oh. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on peut traverser le mur, évidemment. Ok, sympa. Ok. Ok. Ok, là, on va se mettre la même chose, je pense. Quand même beaucoup de choses à vider, tout ça. Bon, ça m'inquiète pas non plus trop. Notre petit Sam. Là, Sam. Oh, une porte. Ah, ben non, elle est ouverte. Bon, je vais pas s'inquiéter. Alors. Ah, ici, on a une espèce de petit refus. Qui est pas mal aussi. On va fermer la porte. C'est juste ce sol là qui est affreux. Mais ça se trouve, grâce à la menuiserie, recouvrir tout ça, ça peut peut-être donner quelque chose de plutôt pas mal. Hop, ouais. Ouais, des clous, pourquoi pas. Une masse. Oh, oh. Bon, ça, je vais la prendre. Bon, j'en ai une d'ailleurs, mais. Une massette. Ok. Voilà, il y a un petit peu de nourriture. Parfait. Ça, de toute façon, dès qu'on parle de nourriture, Sam, il est content. Ouais, les gars, c'est pas mal ça. Bon, on gagne encore en furtivité. Un chargeur, ok. Bon, tout ça, j'aimerais récupérer après de mon côté parce que je pense que vous avez remarqué qu'il y a quand même des quantités hallucinante d'objets. Je risque d'y passer une journée sinon. Ok. Alors là, on avait un étage encore à visiter. Alors, encore un étage par-dessus. Alors là, il va falloir faire attention là au mur. Si je dis ça, c'est que par expérience. Je sais que c'est dans le. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Alors, on a pas mal de choses encore ici. Ah, des graines. Ah non, le magazine, pardon, des graines. Bon, celui-là, j'avais déjà. Celui-là, peut-être pas. J'en sais rien. Ok, la cuisine, oui, puisque je l'ai appris. Menuiserie volume 2. Ouais, on va prendre un peu de façon.
crois pas. L'agriculture, je sais pas si je l'ai. Allez, tiens, on va en profiter un petit peu. Déjà, tu vas lire ça. Voilà. Essayer de te distraire un petit peu, ça risque que de te faire du bien. Voilà. Ça va mieux. Ici. Oh. Il y a un petit avion sympa. Bon, je pense pas qu'on puisse utiliser, hein, bon. Ça m'étonnerait même. Ça serait quand même une bonne idée quand même pour survoler un petit peu toute la carte. Peut-être pas un avion, mais et pourquoi pas un petit hélicoptère. Allez, il nous reste encore une bonne partie de bâtiment à visiter. Caméra, je pense que Sam n'est pas au courant de tout, mais il a tué tout à l'heure un journaliste, donc à mon avis, sûrement, les journalistes qui sont venus faire un reportage sur les, comment on appelle ça, les forces militaires qui étaient prêtes à défendre les populations, malheureusement, ils ont dû se faire piger dans la base. Voilà. Alors ça c'est la porte en dessous. Un autre générateur, je dois être à peu près à 3 ou 4 générateurs. Beaucoup d'outils, matos, il y a vraiment beaucoup de potentielles armes. Je vais quand même en prendre un petit peu non plus. Oh, ça par contre, je prends. La petite hachette, je prends. Et bien, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour du bâtiment. Là, il est... Ah, non, encore là. Il est plus petit que ce que je me souvenais. Ah, c'est sympa ça. Est-ce qu'on peut au moins. Ah oui. Ça, c'est sympa. Là, à récupérer. Ici. Ok. Ouais, ok, d'accord. Bon, au moins, au niveau armement, je serai à la pointe. Voilà, maintenant ce serait pareil. Bon, j'ai la pompe ici. Pareil, au moins un bidon d'essence. Ok, parfait. On va essayer aussi de trouver une solution. Une solution à ce surpoids parce que. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Ah, il est déjà fatigué, il est 14h. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'ai du volume 1, ça a été lu.
menuiserie de niveau 2, je pense que je vais pouvoir la prendre. Je vais regarder, mais là peut-être pas. Faut que je regarde. Allez, plus choix. Bandage roulé. Ok. Hop, on va déposer tout ça. Allez, là, tu vas te t'enfermer un petit peu. On est fatigué, donc là, on va pas avoir trop non plus de choix. Alors, par contre. Oh les gars, ça m'a fait pas mal. Alors, on va regarder cette histoire de poids parce que c'est un petit peu problématique. Ouais, ça fait 1,05 kg, 1,04 kg. Je pense que à la place de ma petite hache, déjà je vais mettre le marteau. Je suis à 11,85, déjà ça va mieux. Ah, il m'a laissé les premiers secours à lire. J'avais pas fini de le lire ça. Ok, en effet. Ta petite hachette ici. La 11,65, donc j'ai réussi à gagner un petit peu. Et où est-ce que je perds 600, 300, 300. ?003, c'est pas ça qui me fait. Allez, 2,4, ok. Mais je suis protégé. Mon masque fait 0,45. Ma visière 0,300 pour se donner du style. Ouais, ça fait peut-être. Ouais, on allège un petit peu. Bon, c'est pas ça qui fait le plus lourd. Et c'est pas ça non plus. Bon, on va avoir allégé un petit peu. Allez, on finit le livre ici. Ouais, il faut absolument qu'il récupère son casque. Oh. Ça m'a entendu un bruit. Bizarre. Si on ne se répète pas. Peut-être une illusion. Oh, dodo. J'essaie de passer une bonne nuit cette fois. Ouais, 2 heures, ouais, bon, on a bien dormi quand même. Là, tu manges ça. Essayer de récupérer ton casque.
Ah, non, avant on va regarder ta blessure. Où est-ce que c'en est? Ah, c'est disparu. Ok. Bonne nouvelle, flash info. Sam va survivre. Ok. Tant mieux. Voilà. Surprise. Ok, ils ont brisé les vitres. Ah, rien du tout là. Un interrupteur dans le coin. Comment se fait-il? Ok, bon. Ici c'est allumé quand même. Ah oui, pourtant. Allez, on va récupérer notre casque. Ah, quoique. Peut-être un petit peu sombre quand même, non? Et on va se cacher ici. On va quand même regarder avant. On voit rien. On va accélérer un petit peu de temps jusqu'à 4h30. Bon, 5h, allez. 5h, c'est bien. Je reste discret. On va regarder quelque chose avant. Donc, ce bâtiment-là, c'est fait. Ce bâtiment-là, c'est fait. Et ben, il reste encore. Il reste l'infirmerie à visiter. Et cette petite zone-là, au fond, qui est en réalité une grande serre. Ok, c'est bon. C'était le risque. Très bien. Je pense qu'on va quand même rester discret. On regarde un petit peu au loin. Ok. C'est très très bien ça. Sam va reculer. Il sent très bien le piège. Il risque d'attaquer par derrière et être coincé. C'est pas trop pour lui. C'est vrai qu'il vaut mieux reculer dans ce cas. Là. Allez. On essaie de dire plus direct avant que les deux arrivent. Ah, c'est bien. Parfait. Oh, il est bien. Ça, moi, je prends Eugene.
dès que j'aurai un ciseau. Oui, découper en lumière. Et fais attention derrière toi. C'est vrai qu'il y avait un petit peu de monde. Ah, pourquoi t'es pas tombé? Allez, remets ton casque. Bien. Connecté. On est revenu de loin. Il y a 12-2. On va garder un petit peu quand même. Ah, il fait 1,2 kg ce casque quand même. Mais il protège bien. Ok, alors, on va juste regarder quelques poses avant. Il y a encore un petit peu de temps, Sam. Encore top. Ok, là, c'est le passage pour retourner de l'autre côté. Hors de la base. Là, on a pas mal de zombies. Ici, on a un côté agriculture plutôt sympathique. Et on retourne. Vite fait. Oh. Voilà, le sac est vide, pratiquement vide. Je pense que autant en profiter. Ça oui. Pour le reste, non. Voilà. Regardez quand même. Que j'ai ici. Oh, il y a des choses intéressantes là-dedans. Triangle, chargeur de batterie, ça je prends. Triangle, pourquoi pas? Non, mais sérieux, ça peut être sympa. Je vois bien quelque chose. Des piles, boîte de pilules, alors je sais pas à quoi servent ces pilules. Allez. On va vider son sac. RS. J'avais bien fermé la porte. On n'avait pas fermé la porte. Sam, ça c'est pas bien. C'est des risques inutiles. Regardez-le gambader là, ouais, pas comme ça, juste avant, avec sa blessure à la jambe. Non, je ne vais pas tout vider, mon petit gars mécanique, ça c'est lui. Jusque là, normalement. Et jusque là.
Ça fait pas mal. Et ils sont fait un bordel. Oh non, ça sert à rien, pourquoi je fais ça? Justement, je vois un petit peu. Donc il va y avoir ces livres à lire, donc il faut que je regarde normalement à menuiserie, il ne manque pas grand chose, donc il va pas pouvoir lire ce volume là. Mécanique, ouais, je peux apprendre la mécanique, ok. Donc, je vais mettre ça ici en attendant. Hop, hop, pourquoi? Il faudrait que j'y pense hein, par contre. Écoutez, ça marque la fin de cet épisode. Écoutez, épisode plutôt pépère. Hein, on a visité un petit bâtiment, on n'a pas tellement été ennuyé. On a récupéré notre casque. Bon, on a quand même découvert des choses intéressantes pour le futur de la partie. Dans le prochain épisode, on va aller visiter l'infirmerie. Et si l'infirmerie et visiter aussi rapidement, on ira visiter on ira visiter cette zone qui est pas non plus très très importante, donc infirmerie et peut-être cette zone là, on verra, et après on commencera à se diriger par ici et on essaiera de trouver une base quelque part, je sais pas où. Il y a quelques bâtiments ici, mais bon, c'est pas une ville, hein, c'est juste quelques bâtiments. Alors pour situer un petit peu, on va dire que là, il y a une route. Hop. Tiens, pourquoi ça me fait ça? Bon, voilà. Il y a une route. Il y a Mulgrew par là. Rosewood. Mais ça, c'est pas Rosewood, ça. Si, c'est Rosewood. Je sais pas pourquoi Rosewood est... Elle est bien au carré. Bon. Je sais pas pourquoi. Bref, peu importe. Quoi qu'il en soit, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, à mettre un commentaire si ça vous dit, et moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Salut !